Et donc j'ai commencé à rejoindre quelques appels de clarté. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, 6 mois plus tard à peu près, je me suis retrouvé aux 12 Empowerment, qui ont, sans, j'ai pas peur de le dire, complètement changé ma vie. Et je me suis rendu compte, bien après avoir fait les 12 Empowerments, du point auquel ma vie avait été transformée par ce training. Et mon expérience depuis les 12 Empowerments, c'est que ma vie est devenue beaucoup plus simple. Je n'ai plus peur de grand-chose, ou même quand bien, c'est pas parce que ma peur a disparu, mais parce que à chaque fois que j'ai des sentiments de peur ou d'autres sentiments auxquels j'avais du mal à faire face, j'ai des outils maintenant pour y faire face. Et en particulier, pour commencer, l'outil des short moments, des courts instants, j'aurais beaucoup de mal à en parler. J'aurais plutôt envie d'inviter à essayer ce que c'est dans la pratique. Et dans ma vie quotidienne, avoir le support d'un trainer, c'est extrêmement puissant, parce qu'à chaque fois que j'ai des moments difficiles, mais pas que, des moments intenses, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est très précieux pour moi d'avoir une personne avec qui partager ces moments-là. En recevant systématiquement la réponse que, au final, tout va bien. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de changer ou de faire des choses énormes pour que ma vie se passe de façon simple. Parfois, oui, bien sûr, il y a des changements qui ont lieu, mais ces changements ont lieu à partir d'un espace où, au fond, tout va bien. Et donc ça a rendu ma vie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile par rapport à quand, je me souviens, quand j'avais des moments où ça n'allait pas du tout, j'étais déprimé ou quoi que ce soit. Je m'accrochais au téléphone en essayant d'appeler des amis, par exemple, mais qui n'avaient pas la stabilité en eux-mêmes que je trouve chez mon trainer. Et donc voilà, avoir ce pilier stable envers lequel m'adresser, ça a beaucoup changé la qualité de ma vie. En termes d'enseignement, l'offre est infinie. Donc, à chaque fois où je sens que j'ai besoin d'un support, il n'y a pas que mon trainer, il y a aussi l'enseignement, les textes, les vidéos. C'est une ressource qui ne s'épuise jamais pour moi. Donc, c'est devenu une partie de ma journée, de mon quotidien. Et finalement, avoir une communauté avec qui partager, ça aussi, ça rend ma vie beaucoup plus légère, parce que je sais que je ne suis pas seul et que j'ai toujours quelqu'un avec qui partager mon expérience de l'enseignement, qui aujourd'hui est la chose la plus importante de ma vie. Et par le passé, parfois, oui, j'étais dans des expériences de méditation ou dans des séminaires où je faisais plein d'expériences, mais quand le séminaire s'arrêtait,
cet état de bien-être s'arrêtait peu après. Et je me retrouvais seul avec à peu près les mêmes difficultés que j'avais avant le séminaire ou l'expérience spéciale. Voilà. Et alors que maintenant, je vis un quotidien de relaxation, à la fois quand les choses vont super bien, quand j'ai des moments où tout se passe bien. C'est beaucoup plus facile à vivre pour moi parce que j'ai plus besoin de m'accrocher à ça, en espérant que ça dure pour toujours. Et à la fois, quand j'ai des moments difficiles de dépression, d'anxiété ou de panique, je sais que j'ai pas besoin de m'accrocher à ça non plus et que ça va passer comme tout. Et ça, dans la vie pratique, même dans le travail, ça m'a beaucoup aidé. Par exemple, cette année, je me souviens que j'étais en train de donner une séance de formation à des ingénieurs dans une compagnie aérienne. C'était la première. Et en plein milieu de la séance, je me souviens d'avoir eu une crise de panique très forte qui m'a pris physiquement à l'estomac. Et avant l'enseignement, ça aurait été un événement dramatique. J'aurais dû tout arrêter. Et je ne sais pas ce qui aurait eu lieu, mais ça n'aurait pas été positif professionnellement. Alors que cette fois, bah, tout simplement, j'ai demandé à faire deux minutes de pause sans que personne ne se rende compte de rien. J'ai pris un petit moment pour aller aux toilettes seul. Et après 2 minutes, je suis rentré. On a repris le training comme si rien n'était. Et personne n'a jamais su qu'à ce moment-là, j'ai eu une crise de panique. Et tout ça, c'est manifestement et indubitablement grâce à l'enseignement et aux quatre piliers.